bonjour à tous. Alors, toujours dans la lignée des mouches faciles à faire, je vais vous montrer aujourd'hui comment on obtient une babarotte, c'est-à-dire les petites imitations de scarabées pour pêcher les bordures de nos rivières, voire de nos lacs de montagne. Très utile. Alors, pour ce faire, j'ai un hameçon de 14 tiges normales, un fil de montage 6-0 noir. Je vais utiliser du foam noir et du dubbing de lièvre teinté noir. Alors, première étape, je découpe une bandelette de foam et je vais sur la pointe couper un biseau, hop, comme ceci. Voilà, que je vais venir placer sur mon hameçon. Et fixer solidement. De façon à ce que celle-ci ne bouge plus. Hop, je reviens jusqu'à ma courbure. Donc on voit en fait que tout simplement grâce à cette bandelette, je vais pouvoir former ma carapace. Vous remarquez que la bandelette est un peu plus large de façon à ce que la carapace recouvre bien. Afin de former le sous-corps, je vais prendre un dubbing noir. Hop, que j'applique toujours par petite pression contre le fil. Alors là, j'hésite pas parce qu'il va falloir que je fasse un corps un peu épais. Voilà. Je viens former mon corps. Hop, on va en mettre un petit peu parce qu'on va devoir ensuite ébouriffer ce corps dessous. Je reviens, hop, voilà, je rabats ma carapace. Je rabats de façon à faire une petite tête. Voilà. Je vais faire juste une petite tête en mousse sur le devant. Une demi-clé pour bloquer, pour que ça bouge plus. Je viens couper mon excédent. Je corrige légèrement ma tête pour qu'elle soit le plus rond possible. Voilà. Je vais venir faire mes demi-clés. Une à l'endroit, une à l'envers, comme ça, l'une sur l'autre, ça ne bouge plus. Voilà. Ensuite, je prends un scratch. Je vais venir ébouriffer mon dubbing en dessous de ma mouche. J'ai un petit scarabée. Voilà tout ce qu'il y a de plus réaliste qui pêchera très très bien les bordures des lacs de montagne
et de nos rivières. Voilà.